objets connectés, donc un nouveau type de jeu. C'est un jeu de rôle tactique. La particularité, c'est que pour la première fois, on n'utilise pas de joystick, ni de souris ou de clavier pour jouer. On utilise des figurines, des objets réels, qu'on va poser sur un plateau, déplacer, et leur faire faire un certain nombre d'actions de manière complètement naturelle, puisqu'on utilise l'objet et des cartes de pouvoir qui sont associées à des figurines. Pour nous, c'est rencontrer des journalistes, leur présenter le jeu. C'est aussi l'occasion, bien entendu, de rencontrer d'autres professionnels, de parler, échanger nos expériences. C'est très intéressant d'avoir leur ressenti en tant que joueur par rapport à leur expérience de joueur vis-à-vis d'un produit comme Prodigy, d'un jeu comme Prodigy, qui utilise des objets connectés. C'est son côté vraiment très très accessible. C'est magnifier un objet, le rendre magique. C'est que l'objet, finalement, fasse des choses incroyables. On voit à l'écran immédiatement. C'est ce qui rend l'expérience assez riche et assez immersive. Je vais poser une carte associée à cette figurine. Elle va faire quelque chose de particulier immédiatement. Tout ça de manière évolutive, c'est-à-dire que la figurine gagne en expérience. On inscrit en fait dans l'objet son histoire et les choix du joueur. C'est un jeu qui s'adresse à des joueurs à partir de 12 ans et plus, qui sont amateurs de stratégie, mais aussi les amateurs de jeux de cartes qui aiment vraiment construire chacun de leurs héros, les faire évoluer dans le temps, leur faire raconter une histoire. Ça a toujours été une tendance assez forte dans le milieu du jeu vidéo. Je pense que les tendances à venir, c'est vraiment justement les objets connectés, c'est-à-dire l'objet qui dépasse intrinsèquement ce qu'il est et qui fait des choses dans le monde virtuel.